Bonjour à tous, je suis heureux d'être au milieu de vous. Que la grâce et la paix vous soient données au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, dans les temps incertains que nous traversons, incertains à plusieurs titres, il est bon de réaliser la permanence et l'intemporalité de la parole vivante de Dieu. Au moment où tout s'accélère, notre Seigneur reste, soyons-en assurés, qu'il reste le maître de nos destinées, et notre espérance est plus pertinente que jamais. Au moment de quitter cette terre, Jésus nous a envoyés pour annoncer cette espérance au monde, et notre Église nous invite aujourd'hui à méditer sur le thème du baptême, le baptême comme porte d'entrée dans cette fantastique espérance que nous partageons ici ce matin. Nous allons chanter un premier cantique, « Jésus, tu es là ». Dans le peuple de Dieu.
Écoutons dans un premier temps le psaume 139, les versets 1 à 6. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Tu sais si je m'assieds ou si je me lève. Longtemps d'avance, tu connais mes pensées. Tu sais si je suis dehors ou chez moi. Tu es au courant de tout ce que je fais. La parole n'est pas encore arrivée à mes lèvres que déjà tu sais tout ce que je vais dire. Tu es derrière moi, devant aussi. Tu poses ta main sur moi. Une connaissance aussi prodigieuse me dépasse. Elle est trop élevée pour que je la comprenne. Je vous invite à chanter la première strophe de Mon encre et ma voile. Te demander pardon.
Je viens te demander de m'aider à avancer avec davantage d'espérance et de foi. Tu es celui en qui je veux fermement ancrer ma vie pour faire face à toute situation de la vie. Tu es le Dieu fidèle. Tu nous accordes gratuitement le salut. Et tu établis ta demeure en nous par ton esprit. Et nous prenons la strophe numéro 2 du même cantique.
pouvez prendre place. Seigneur Dieu, tu es la source de toute lumière et de toute vérité. Nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Ouvre nos yeux, notre esprit et notre cœur, afin que nous puissions comprendre et accueillir ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Que ton Esprit Saint nous éclaire et nous guide dans la méditation de ta parole. Que ta lumière dissipe les ténèbres de notre ignorance, de notre péché et de notre indifférence. Que ta lumière nous transforme et nous rapproche de toi, qui est la lumière du monde. Amen. Nous lirons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Notre seconde lecture se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, les versets 26 à 39. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe, lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec eux. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. Le Luc dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors, Philippe ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et le Luc dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » Le Luc répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau.
baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble une flamme en moi. De l'Église, il y a beaucoup de convertis et il y a
besoin de gérer de l'intendance derrière. On parle du service aux veuves, on parle du service à table. Donc il faut organiser tout cela, et pour organiser tout cela, on nomme des diacres, dont deux diacres très connus, Étienne, on sait qu'il a été lapidé pour sa foi, et Philippe, que l'on retrouve dans le texte d'aujourd'hui. Ces diacres sont eux-mêmes tellement remplis d'esprit et remplis de ferveur, qu'ils évangélisent avec vigueur et conviction, et de nombreux miracles ont lieu. Concernant le diacre Philippe, au verset 6 du chapitre 8 des Actes, il est précisé que les foules s'attachaient à ce que disait Philippe en apprenant et en voyant les miracles qu'il faisait. Et au verset 26 du même chapitre, verset qui nous a été lu avant, c'est un ange qui s'adresse à Philippe et lui demande de prendre le chemin du désert entre Jérusalem et Gaza, et c'est sur ce chemin qu'il était censé n'y avoir personne, puisque c'était un chemin de son désert. C'est là qu'il fait la rencontre totalement inattendue avec quelqu'un qui n'est pas moins que le superintendant du trésor de la reine d'Éthiopie, on pourrait dire le ministre des Finances. Il rencontre le ministère des Finances de la reine d'Éthiopie, en fait, sur ce chemin désert. Ce n'est pas un hasard ce qui s'est passé là. Et c'est précisément à ce moment-là que cet Éthiopien est en train, dans son char, de lire le livre du prophète Ésaïe. Il lit là un texte qui remonte à plusieurs siècles en arrière. Cette fois-ci, ce n'est plus un ange, mais c'est l'Esprit Saint qui dit à Philippe de s'approcher du char, de s'approcher de cette haute personnalité éthiopienne. Philippe, jusque-là, n'avait pas compris pourquoi il devait venir sur cette route, en principe désertique. Mais à ce moment-là, Philippe reconnaît que l'Éthiopien est en train de lire un texte qu'il connaissait bien, le texte du prophète Ésaïe au chapitre 53, une prophétie de l'Ancien Testament. Et donc l'Éthiopien va inviter Philippe à venir s'asseoir à côté de lui et lui expliquer le texte. Il avait l'air d'être complètement focalisé là-dessus, il n'était plus sur les honneurs, au fait de ses fonctions, etc. Mais il était sur ce texte. Et cet Éthiopien revenait, c'est assez curieux, il revenait d'un pèlerinage à Jérusalem où il était, dit le texte, il était allé adorer Dieu, pas une idole, il était allé adorer Dieu. Et donc cet Éthiopien était prêt, quelque part, à une rencontre. Et il était prêt à un rendez-vous. Et le Seigneur, bien entendu, a discerné ça, et par son esprit, il a dit à Philippe, passe en rencontre, et va lui expliquer. Et il se trouve que cette prophétie d'Ésaïe 53, c'est une prophétie qui concerne le Christ. Et donc, Philippe explique à l'eunuque éthiopien le texte, ce qu'il avait de prophétique, et ce qu'il avait, ce que cela pouvait également impliquer pour sa propre vie. L'Éthiopien, le cœur de l'Éthiopien, était visiblement prêt à cette rencontre. Il ne va pas perdre de temps. Une fois que Philippe lui a expliqué le texte, il lui a expliqué que Christ est venu pour le sauver. L'Éthiopien va aussitôt demander le baptême. Il confesse sa foi en Jésus, fils de Dieu. C'est bien précisé dans le texte, Jésus, fils de Dieu. C'est important que nous sachions que le Christ dans lequel nous mettons notre confiance, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas simplement un prophète, ce n'est pas simplement un grand homme, ce n'est pas simplement un grand homme très intelligent, mais c'est le Fils même de Dieu. Ça veut dire quelque chose d'important. Ça veut dire que la parole de cet homme n'est pas qu'une parole d'homme, c'est une parole qui vient de Dieu. Et la parole de salut du Christ, elle n'aurait pas la même valeur s'il n'était pas le Fils de Dieu. Il ne pourrait pas nous emporter, nous ouvrir les chemins du royaume. Donc il va demander à se faire baptiser science tenante. Dans le livre des Actes des Apôtres, on trouve à plusieurs reprises des baptêmes qui ont été réalisés immédiatement après la conversion. Nous aujourd'hui, c'est très bien, dans nos contextes d'église, le baptême, ça se prépare. Il y a des rendez-vous, il y a un enseignement spirituel qui est donné, c'est une très bonne chose. Mais je crois qu'il y avait un tel contexte spirituel à l'époque, il y avait une telle ferveur, il y avait une telle présence de Dieu, une telle onction de Dieu, que c'était possible qu'on puisse être baptisé tout de suite.
suite. Tellement la conviction, tellement ceux qui demandaient le baptême étaient saisis par l'Esprit de Dieu. Je donne quelques exemples rapidement. Acte chapitre 10, on a Pierre qui prêche dans la maison d'un certain Corneille et il va ordonner que Corneille et sa famille soient baptisés. Acte chapitre 10, nous avons une marchande qui s'appelle Lydie qui est baptisée après avoir écouté Paul parler. Dans Acte 16, toujours, Paul et Silas sont miraculeusement libérés de leur chaîne en prison et le geôlier, celui qui avait la charge de les garder et qui voulait se tuer parce qu'il n'avait pas rempli sa mission de garder ses prisonniers, il avait peur de se faire punir et il voulait devancer en mettant fin à sa vie. Le geôlier se convertit et se fait baptiser, nous dit le texte, avec tous les membres de sa famille. Contexte de ferveur particulier. Pourquoi le baptême d'eau est-il si important? Il est d'abord un commandement du Christ qui nous dit de faire, c'était le texte de Matthieu chapitre 28 qui nous a été lu avant, de faire de toutes les nations des disciples et de les baptiser en son nom. Mais ce n'est pas pour nous simplement un commandement. C'est le baptême répond à un besoin intérieur, j'allais dire, de symboliser notre conversion, de créer une accroche matérielle, d'associer en fait notre conversion à un geste dont on va se souvenir toute la vie, un geste dont va témoigner également notre communauté spirituelle. C'est quelque chose de visible qui traduit quelque chose d'intérieur de profond, une conversion, un changement profond, où on dit, comme je l'ai dit au début du culte, enfin de la prédication, c'est un changement qui implique notre vie tout entière, quelque chose qui va nous bouleverser de l'intérieur et qui va changer notre vie. Et avec le baptême, nous témoignons ainsi de manière visible devant notre communauté et devant le monde, nous témoignons de notre foi et nous témoignons de notre attachement au Seigneur. Après le baptême, contexte toujours particulier de l'époque, après le baptême, une dernière chose étonnante va se produire. L'Esprit du Seigneur va enlever Philippe pour le déposer dans une ville qui s'appelle Azote, qui se trouve au nord-est de Gaza. Et le texte nous dit qu'il va continuer d'évangéliser de ville en ville jusqu'à Césarée. C'est une ville qui se situe à plus de 100 km au nord d'Azote. J'observe au passage que ce n'est pas le seul cas d'enlèvement, parce que là, ce qui est particulier, c'est que Philippe, il est comme téléporté. Aujourd'hui, on dirait téléporté de ce chemin entre Jérusalem et Gaza. Il est emmené, en fait, à Azote. C'est quelque chose qui nous paraît extraordinaire. C'est un peu de la science-fiction. C'est ce que l'Écriture nous rapporte. Et nous avons d'autres passages dans l'Écriture qui parlent d'enlèvement ou du fait de se faire comme ça déplacer, on ne sait pas comment, mais par la puissance de Dieu, tout simplement. Nous avons le prophète Élie qui, sous les yeux d'Élisée, est enlevé au ciel par un char de feu. Le prophète Hénoc enlevé pour qu'il ne connaisse pas la mort, Hébreux 11, verset 5. Jésus qui va connaître des déplacements pendant sa tentation dans le désert. Jésus qui apparaît soudainement au milieu des disciples dans une salle dont on avait fermé les portes, Jean chapitre 20. L'enlèvement de Jésus le jour de l'Ascension, Acte chapitre 1. Et l'enlèvement à venir de l'Église, c'est-à-dire de nous. Il y a encore quelque chose devant nous d'extraordinaire à vivre. L'Écriture en parle, je vous en parle. Voilà, c'est la Bible, si nous croyons en Dieu Tout-Puissant, nous croyons qu'il peut être puissant aussi dans des choses comme ça, et que ça puisse effectivement se réaliser. Je voudrais ici développer, et ce serait la dernière chose que je développerai, ce que je viens d'appeler contexte miraculeux, en revenant à ce que signifie le sacrement. Je dirais en revenant à ce que signifie ontologiquement le sacrement. Qu'est-ce que la réalité ultime du sacrement? Un sacrement est en réalité bien plus que le sens qu'on lui prête habituellement. Le sacrement est une sorte de porte d'entrée dans la réalité du royaume dont Jésus a dit qu'il était au milieu de nous. Le royaume est au milieu de vous, j'ai dit Jésus, le royaume est au-dedans. Le sacrement nous donne accès, quand je dis que c'est une porte, c'est qu'il nous donne accès
à ce qu'on peut appeler une réalité sacramentelle, à la réalité sacramentelle. Ce n'est pas une expression pompeuse et difficile à comprendre, rassurez-vous. Cette expression signifie simplement que Dieu n'est pas seulement présent intensément dans le ou les sacrements, mais il est intensément présent à tout instant. Il est présent jour et nuit, H24, en tout lieu. Repensez au psaume 139 qui a été lu tout à l'heure, et si j'allais au-delà des mers, là aussi tu serais. Et c'est un psaume qui est important de connaître par cœur, parce que c'est un psaume qui peut nous porter. Dans des moments où on a l'impression que le ciel est fermé, qu'on est tout seul avec nos problèmes, rappelons-nous de ce psaume 139, et rappelons-nous de la réalité sacramentelle. Le sacrement conduit à la réalité sacramentelle. La réalité sacramentelle, c'est la présence de Dieu dans notre réalité matérielle. Et s'il n'était pas présent, pourquoi est-ce qu'il est présent dans notre réalité matérielle aussi? C'est parce qu'il est venu en chair et en os parmi nous, le Seigneur. Donc il est venu dans notre matérialité. Et donc aujourd'hui, le Seigneur agit toujours comme il agissait dans l'Ancien Testament. Comme il a agi dans ce contexte miraculeux, il est de même nature présent. Présent au milieu de nous, présent au milieu de nous ce matin dans cette église. Présent dans ton cœur à toi, quand tu vas rentrer chez toi. Et le Seigneur, il sera chez toi. Le Seigneur sera avec toi. Le Seigneur est dans ton cœur. Et il est présent comme matériellement dans ta vie. Ça veut dire qu'il peut agir dans ta vie. Ça veut dire qu'il peut changer ta vie. Ça veut dire qu'il peut te donner de l'espoir où il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire qu'il est agissant, il est à l'écoute et il est agissant. Si Dieu a créé la matière, il s'est incarné en Christ pour revêtir un être de chair et de sang. Un être aussi fragile et mortel comme nous, c'est pour être présent dans notre réalité matérielle ici et maintenant. Là où nous mettons les pieds, il se produit à ce moment-là quelque chose de particulier à travers cette réalité sacramentelle. Là où nous mettons les pieds, là se matérialise le royaume de Dieu. Là est le domaine d'action de l'Église, là est le lieu du miracle, là s'établit le règne de Dieu et là l'impossible devient possible. C'est donc toute notre réalité qui est sacramentelle, car elle est le lieu où Dieu se révèle à nous, il nous accompagne, il est réellement présent, il entend nos prières et nos plaintes, il est proche de nous, il nous veut proches. Il nous veut beaucoup plus proche de lui. Alors nous ne sommes peut-être pas appelés à vivre les mêmes aventures que Philippe, encore que, pourquoi pas. Mais c'est le même esprit qui est présent dans nos vies, soyons-en rassurés, c'est l'esprit qui a connu Philippe, c'est l'esprit de Dieu, il n'y en a qu'un. Et c'est le même qui est en vous, c'est le même qui est en moi. Alors même si on n'est pas appelé à vivre les mêmes aventures que Philippe, il est pleinement l'Esprit de Dieu attentif à nos besoins. Il nous voit, il te voit, il nous entend, il t'entend. Et il peut toujours l'impossible là où nous pouvons nous sentir en échec. Le Seigneur peut ouvrir une porte là où tu crois que toutes les portes sont fermées. Le Seigneur, il est là de la même manière pour toi que pour les disciples, que pour les prophètes. C'est l'Esprit de Dieu qui est présent au milieu de nous et qui est présent en toi. Amen.
Nous avons le plaisir d'accueillir Didier Ludman et son épouse Marie-Vonne. Bienvenue à vous. Nous remercions Didier d'avoir préparé et présidé ce culte commun Yutz-Thionville. Merci également à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les lectures, la projection et la vidéo. Vendredi 5 juillet, le culte d'adieu de M. David Wagner a eu lieu à Yutz. Nos pensées accompagnent sa famille. Alors, demain 8 juillet, débutera le mini-camp d'été d'une durée de 3 jours pour les jeunes de 14 à 18 ans, organisé par nos pasteurs Florence et Bertrand Claus et Maximilien Luzeka, et Christelle Giroua, animatrice du groupe de jeunes. Mardi, il n'y aura pas de café partage parce que nous sommes en période de vacances, donc les activités sont un peu en sommeil pendant les vacances. Mercredi 10 juillet, de 9h à midi, entretien des locaux à Thionville pour ceux qui seront là. Jeudi 11 juillet à 19h30, la réunion bilan de la journée interparoissiale aura lieu au presbytère de Yutz. Donc vendredi, pas de réunion de groupe de prière. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes en période de vacances à partir d'aujourd'hui, nous sommes dans la période estivale. Et comme les années passées, nous reprenons les cultes en commun et en alternance entre Thionville et Yutz. Contrairement à ce qui est indiqué dans le nouveau messager sur la page de Yutz, durant toute la période estivale du 7 juillet au 1er septembre, le culte aura toujours lieu à 10h30, à Yutz comme à Thionville. C'était d'ailleurs le cas les années passées, et la pasteur Florence Claus m'a confirmé cela hier. Voilà. Donc, dimanche prochain, 14 juillet, le culte commun aura lieu à Yutz à 10h30 et le dimanche suivant, 21 juillet, le culte aura lieu à Thionville. Maintenant, le moment de l'offrande, que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Je vous invite à la prière. Père, accepte notre offrande joyeuse, l'offrande de notre argent, l'offrande de notre travail,
l'offrande du temps nécessaire à l'écoute et toute offrande que nous inspire ton amour. Amen. Denis vient de me rappeler que tout à l'heure, le binôme de prière se tiendra à votre disposition devant la chaire, si vous voulez prier. Nous continuons dans la prière. Seigneur, en pensant au pouvoir marocain, en pensant à la souffrance d'un peuple qui cherche à t'être fidèle, à marcher avec toi, l'espérance que nous partageons ici ce matin. Nous pensons aussi aux échéances qu'il y a devant nous, en Europe, en France aujourd'hui. Viens Seigneur nous aider à choisir ceux qui nous gouvernent et qui puissent trouver dans les valeurs chrétiennes le chemin vers un apaisement des conflits et une gouvernance davantage tournée vers les autres et notamment vers les plus faibles. Suscite aussi un réveil dans l'Église et permet que se lèvent des serviteurs courageux qui osent montrer au monde le chemin de la paix, d'une vraie espérance et des bonnes valeurs. Donne à chacun d'entre nous, à son niveau, de tenir notre place de témoin. Merci pour que la force de ton esprit qui demeure en nous et nous aide à incarner notre foi dans les épreuves. Viens en aide à ceux qui autour de nous ont besoin de guérison, de force et de courage pour aller de l'avant. Seigneur, nous te remettons une situation qui nous est chère, soit personnelle, soit familiale. Nous savons que nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est amour, un Dieu qui peut changer nos vies. En toi est notre espoir, Seigneur. Vers toi, nous tournons nos regards et nous nous levons pour dire ensemble la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Que le Seigneur soit votre force dans le quotidien, que sa grâce vous accompagne et que sa présence soit en vous par la communion du Saint-Esprit. Amen. Rendons gloire à Dieu notre Père.